Sur la plage de Dieppe, l'écume n'a même pas le temps de se poser. Elle est immédiatement emportée par le vent. En face, la mer déchaînée s'écrase contre la digue. Pour admirer ce tableau, quelques courageux ont bravé le froid et la tempête. C'est peut-être pas très raisonnable d'être ici, mais voilà, c'est beau et c'est magique de voir ça. C'est merveilleux de voir une tempête comme ça. C'est la première fois que je vois des vagues aussi fortes. C'est à ce point-là qu'on se rend compte que c'est quand même assez dangereux pour les marins, quoi. D'ailleurs, ce petit bateau peine à naviguer face à un vent qui souffle jusqu'à 100 km/h. Au niveau de la mer, ce chiot se fait presque emporter. Et en haut des falaises, il n'y a pas que les animaux qui ont du mal à avancer. Aucune personne blessée, mais des arbres déracinés et des câbles électriques arrachés. Sur l'ensemble de la côte normande, les pompiers ont procédé à plus d'une centaine d'interventions depuis ce matin. Le vent devrait souffler moins fort le reste du week-end et pourrait laisser place à quelques flocons de neige.